est en mission avec une nouvelle héroïne, c'est l'occasion de tester mes nouvelles étoiles collantes. Les numéro 14. Vous êtes prêts? Moi. Dis donc, ils sont vraiment fantastiques, tes pouvoirs. Ton Lily Lumini Flash, et en plus tu sais voler. Regarde mon Lily Gorgo Glass. De la neige, toi aussi tu as des pouvoirs glacés. Il fait froid dans l'espace et je voyage sur des comètes faites de glace. C'est très joli, mais on est là pour arrêter le méchant Anglieur. Youhou, c'est de moi que vous parlez. Ha, recule le méchant. Tu es pire que la plus malodorante des limaces de la planète Splurde. Et elle sent vraiment mauvais. Tu t'amuses bien à jouer à l'héroïne? Nous on adore jouer au méchant, mais on préfère l'être pour de vrai. Nom d'un flocon de neige! Laissez-la tranquille! C'est sa première mission! C'est aussi sa première étoile collante. Fonce! Je vais m'occuper d'eux. Règle numéro 1 des héros, protéger ses amis. Tu as tout à fait raison. Mais règle numéro 2, qui te protège, toi? Numéro 14, engluez-le! C'est de la chaleur. S'il y a une chose que les ours polaires ne supportent pas, c'est qu'on monte la température. Bien essayé, mais ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai ce qu'il faut pour rafraîchir tes étoiles collantes. Frigori, force. Ma Frigori force, elle ne marche pas. Allez-y, mes ninja doivent. Petite fée est repartie dans l'espace. Recouvrez-le entièrement. Le nounours doit être bien au chaud. Lilifée, tu es la seule à pouvoir me venir en aide. Sans moi, règle le tracas. Tu seras une héroïne. Oh, être une héroïne? Non, je suis une fée de l'espace. Je vais plutôt faire de nouvelles spirales étoiles. Tu as déjà arrêté Ninjaka? Tu es vraiment efficace, dis donc. Moi? Alors Ouski est déjà rentré au QG? Ouski? Oh, Zong, c'est l'heure d'être une vraie héroïne. Les vite. Ensuite, j'écraserai les autres membres du cercle des héros. Ce sera très amusant. Mais pas aussi amusant que de m'emparer du pige orbital. Ça fera un repère ninja parfait. Quoi? Je suis revenue ici pour te libérer et pour te ramener au pige orbital. Je le savais! Tu mérites de faire partie du cercle des héros. Oh, tu trouves? Mais grâce à tes flocons de cosmoglace, elle refroidit peu à peu. Nous revoilà. Et cette fois, c'est à la petite fée de l'espace qu'on va s'attaquer. Ses pouvoirs sont bien plus intéressants que les tiens, le nounours polaire. Visez-la, ninja soif. C'est plus facile d'être un héros quand on est plusieurs, Lilifée. C'est pour ça que le cercle des héros travaille toujours en équipe. Je sais, mais... comment faire? Je n'ai encore besoin que d'un seul de tes flocons de cosmoglace. Lily Cosmoglace! Non, Lily fait! Ouski! On te laisse, petit nounours de la banquise. On va commencer par te débarrasser de cette boule collante. Mais seulement si tu acceptes de te joindre à nous, les méchants. Qu'est-ce que tu en dis? Non, c'est absolument et galactiquement hors de question. Eh bien...
bien, j'ai hâte de te voir te débarrasser de cette boule collante. Surtout sans l'aide d'un de tes amis héros. Moi, je pourrais t'aider, seulement si tu nous rejoins. Je ne vous rejoindrai jamais. Vous êtes des méchants. Vous n'êtes pas des héros. Je t'ai rapporté ta boule collante, Ninjaka. Tu vas peut-être devoir la réchauffer. Parce qu'elle est dure comme de la glace. Ninja Doive, à l'attaque. Il retrouverait ta crevette ou non, 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 non. Si quelqu'un doit la conduire, c'est toi.
lumineuse au volant d'une reptilomobile galactique dans les profondeurs de l'étang. Tu aurais l'air d'une vraie héroïne. Oh! Crevette ou bête, ridicule. Je vais devoir continuer à pied. Gandonella qui m'a donné ce cristal d'étang. C'était un piège, mais si je le rachète.
recharge avec mon Lumini. Il ressemble à ce qu'il y a dans vos batteries. Écoutez, héros terrien. Les pyjamas qui pilotent à nouveau leur véhicule. Pas dans lequel monter, ils sont tellement tous brillants.